Hello, good morning. I think we are in time to start. Bonjour, bienvenue. We decided that I'll take the English part of the bilingual balance of the our college tradition. It is really a pleasure and honor for me to be here today for this lecture and ceremony. That has nothing ceremonial, but it's very substantial. And it is to honor a professor that has been with the college, if I'm not wrong, for 21 years. And with a very special profile and background. I would only say a few words and leave the presentation of our guest of honor, our Professor Emerite, Professor Georgiakakis, and then obviously we are here to listen to your lecture first and foremost. But I wanted to say two things only. One is about the value and the incredible asset that we have at the college of having dedicated professors that are at the same time visiting professors, but with us for a long time. And this combination of elements, the fact that we have professors that are otherwise teaching and researching elsewhere, is for me one of the biggest assets that the college has. It's quite unique. We have a number of professors that is almost equal to the number of students, which is something that no other academic institution has. The ratio is impressive. But we have, at the same time, professors that are connected with other academic environments. And I think this is one of the richnesses we have. And that are with us also for a very long time. And this is a demonstration, I think, of their dedication, of their commitment, not only to the College of Europe, but also to the European project and to the way in which the College of Europe contributes to shaping the European project. And I am very grateful for this, Professor, for your attachment to the college life and for your dedication to the College of Europe and to our students, to the empowerment of our students. The second thing I would like to say is more on a personal basis. Because I know that you have been for a long time the only professor of philosophy teaching at the college, and indeed, if you do European studies, you might come from different backgrounds, and you might at first sight think that philosophy is not really something for you, or not really something that relates to the European studies that sometimes are considered to be quite technical and you know, in different fields. This is also why I value so much EG courses, because I think that to be a good European, but also to be a good European official, if you want to become one, you need to zoom out and get the bigger picture. I can share with you a personal anecdote. I am myself someone that was passionate about philosophy, and I wanted to study philosophy at university. Then my father told me, no, you'd rather do economy or law, and I refused that. I was very bad in mathematics, and still am, so economics, it was easy to convince him that it was not a good idea. In law, I could have made it. Then the landing zone, the compromise of the negotiation was political science, which was okay. I eliminated all the possible exams of economy and law that I could. But then I decided to write my thesis in political philosophy. And then it was my victory because I managed finally to do what I wanted to do. And that led me to the European institutions anyway. So to say that this is a very solid basis, I believe, at least for what concerns my personal story, to understand the thinking is for me the most precious element that you can acquire. All the rest you can also study. I mean, no, you shouldn't say this, but most of the other things you can also study by yourself or in different forms. But the study of the thinking and the history of the thinking is something that you cannot, I personally believe, you cannot do without a guide, without the sharing of experience and knowledge. And I'm very grateful
to you for having accompanied our students for these years. And this is why I think this recognition, this small, humble recognition we're giving to you today, is at the same time honoring you as a professor here, but also honoring the studies of philosophy in an environment where this is not necessarily intuitive to have, but in my strong belief, it's essential to build not only good Europeans, but also good European specialists and officials. So thank you very much, Mr. Professor, to be here with us. And with that, I would probably leave immediately the floor Professor Georgakakis for his introduction. And thank you very much. So I will do the academic part, very academic actually. So, but Madame Rector, distinguished Professor Archer, and the college students, so many thanks to you all for being here this this morning. This is a great pleasure, Guy, to welcome you for this ceremony conferring the title of honorary professor, honor professor from the EG program. This is not so often, actually, so I'm very proud of that as well. So today we gather to acknowledge and to celebrate the academic life and the intellectual contributions of a great figure of the EG department. First and foremost, your career, Guy, is emblematic of the multidisciplinary to which we attach a great importance in EG. After studying philosophy, law, and economics at the University, at Université Libre de Bruxelles, you became assistant in philosophy and wrote your PhD in philosophy under the supervision of Chaim Perelman. You have then embarked on an impressive academic career, becoming professor in 1988 at the ULB and visiting professor in numerous renowned institutions all around the world, the Australian National University, the Duke University in North Carolina, the University of Maryland, not to mention, of course, the College of Europe, and I will come back after on others' investments. So once again, very much in tune with the philosophy of EG, your research and thinking have always combined theory and practice, notably in your courses on philosophical foundation of human rights at the Institut des Droits de l'Homme in Strasbourg and at the Central European University in Budapest. So the list of your contribution, academic contribution, is endless, as the award you have won. So this includes, in particular, the Prix des Droits de l'Homme de la Communauté Française de Belgique for your work in the field of human rights. But the influence of your work extends well beyond the borders of Belgium, beyond the fact that you have taught all over the world, including Pekin, Beijing, Geneva, Budapest, the United States. You also got involved in the European Masters on Human Rights and Democratization in Venice, which is very sort of central place for the human rights. And you have been president of the European Center for Civics, as well as member of the Executive Council of the European Inter-University Center for Human Rights and Democratization. Bien, mais ces options et ces titres académiques ne peuvent, en tout cas, seuls résumer, cher Guy, ta trajectoire intellectuelle. J'aurais envie de dire que celle-ci s'est notamment distinguée par le fait d'enjamber à la fois les frontières disciplinaires et les frontières politiques, notamment celle de la fin des années 70 qui excluait le droit des possibles philosophiques. Tu es membre d'une génération politiquement et intellectuellement hétérodoxe qui est celle de mai 68. Au départ, la question du droit n'était pas particulièrement centrale puisque ta thèse est d'abord sur Marx. Mais dans une lecture de Marx, où d'une certaine manière, tu le redécouvres philosophe plus qu'il ne le dit lui-même, puisqu'il s'agit de montrer, au fond, qu'il y a dans le Capital et le jeune Marx la persistance d'une pensée de
l'ontologie de l'activité humaine. En tant que marxiste critique, les systèmes totalitaires se réclamant du communiste et les échecs de la science de l'histoire mise en pratique t'amènent en fait à soutenir la nécessité de limitation du pouvoir et notamment de limitation juridique. Avec elle apparaissent en fait tout un ensemble de questions proprement philosophiques qui interrogent la place et le rôle des normes et de ses acteurs, des constituants et des juges dans les démocraties libérales. Tu publies ainsi l'un de tes ouvrages majeurs en 87 sur la philosophie des droits de l'homme, dans laquelle tu traces les contours de ce qui peut être une philosophie des droits humains, qui soit à la fois exemple d'idéalisme d'une part et de réemploi stratégique ou politiquement stratégique précisément de l'autre. Et je pense que dans ce texte programmatique, tu interroges au fond, tu nous interroges sur ce qu'est le fondement des droits humains avec pour corollaire la question suivante, pourquoi au fond les droits humains doivent-ils surplomber les autres principes. Je crois que dans un moment où les valeurs des droits humains et de la démocratie risquent de se voir balayées par une forme de pensée relativiste, tu mets en fait au cœur de ton travail la question de l'universalisme des valeurs et de l'émancipation au fond qu'elles permettent. Et loin de supposer un caractère naturellement transcendantal, tu défends l'idée selon laquelle les fractions dominées des peuples des cinq continents aspire à un certain nombre de droits minimaux, c'est-à-dire en fait un socle commun des droits humains. Alors, c'est sur ce thème, et je vais arrêter là, que d'une certaine manière, au-delà des activités au centre Perelman, les étudiants ont fréquenté un peu les travaux, que tu as guidé plus d'une vingtaine de promotions du Collège d'Europe. Je veux dire aussi, pour avoir été ton collègue pendant 15 ans, que tu a toujours participé aux activités d'IG. Je me souviens d'une conférence le soir après les attentats à Paris, où précisément nous avions entamé une discussion sur cette question avec les étudiants. Et je crois que tes propos d'alors, je crains en tout cas que tes propos d'alors soient toujours d'actualité. Donc c'est donc à l'un des meilleurs ambassadeurs de l'esprit du collège que je veux et que tous ensemble nous voulons rendre hommage aujourd'hui. Tu nous rappelles à la fois l'exigence critique et l'ouverture dont nous devons faire preuve pour penser précisément l'Europe de demain. So, in recognition of your outstanding contribution to the EG program and the college, I have the great pleasure to ask Madame Rector to confer the title of honorary professor on you. Thank you very much. Merci beaucoup pour la standing ovation avant que j'ai dit un mot. Madame la rectrice et Didier, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu dire, qui est bien trop gentil. Je finirai par ne rien oser vous dire aujourd'hui. Je voulais d'abord savoir si vous êtes à l'aise avec le français. Et donc, je vais faire cet exposé en français parce que je dois quand même gagner du temps et qu'en français, je vais quand même plus vite qu'en anglais. Mais je peux répondre à vos questions en anglais si vous le voulez. Ça ne pose pas de problème. Alors, j'ai enseigné effectivement pendant une vingtaine d'années, ou plus ou moins, la question des valeurs européennes. Et j'ai intitulé cet exposé « La périlleuse actualité des valeurs européennes ». D'abord, dans « périlleuse actualité », il y a « actualité », c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup, ce qu'on ne faisait pas auparavant. Mais elles sont menacées en même temps et souvent on n'en parle pas bien, c'est-à-dire qu'on n'en mesure pas bien les enjeux ou que parfois elles sont instrumentalisées par des adversaires qui utilisent le langage des valeurs européennes, mais qui en fait ne sont pas prêts à en tirer des conséquences qui soient des conséquences rigoureuses. Bon.
Alors, vous savez, je vous ai dit, elles sont dans l'actualité. Quand j'ai commencé ce cours au Collège d'Europe vers l'année 2000, quelque chose comme ça, il n'y avait pas encore de valeurs dans les traités. On n'indiquait pas les valeurs. Il y avait certes la construction européenne, mais des valeurs démocratiques, les valeurs des droits de l'homme, etc. Elles avaient été construites par la jurisprudence de la Cour de justice, hein, qui s'appelait la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, Cour de justice de l'Union européenne. Mais au début des années 2000, avec l'élargissement de l'Europe et tous les enjeux, après le 11 septembre aussi, eh bien, on a décidé d'introduire les valeurs dans ce qui devait être le traité constitutionnel, mais qui a été avorté, hein, puisqu'il a été refusé par les Français et par les Hollandais aussi. Et puis, on a réintroduit la même chose dans le traité de Lisbonne, donc traité sur l'Union européenne, la première partie du traité de Lisbonne. Alors, quand vous regardez ces valeurs, je ne vais pas vous les énoncer comme ça et vous les lire parce que je n'ai pas le temps, mais vous y trouvez tout de suite un peu dans le désordre, il faut bien dire, dans le fameux article 2 du traité sur l'Union européenne, les valeurs de l'Union, aussi dans le préambule d'ailleurs, formulées de façon un petit peu différente, mais vous avez toutes les valeurs de la démocratie libérale. Vous avez les droits humains, vous avez la liberté, vous avez l'égalité, vous avez l'état de droit, vous avez les droits des minorités, vous avez l'égalité entre la femme et l'homme, etc. Vous avez tout un ensemble d'ailleurs de caractéristiques, de droits, de configurations comme l'état de droit qui sont mises un peu dans le désordre. En plus, vous avez, depuis l'an 2000, vous avez aussi la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui est devenue obligatoire avec le traité de Lisbonne. Et là, ces droits fondamentaux, mais ils incarnent des valeurs qui sont un peu les mêmes que celles qui se trouvent dans l'article 2 et dans le préambule, mais dans un ordre différent. Alors, j'ai souvent étudié ça avec les étudiants en leur disant, voilà, il faudrait mieux y mettre un petit peu d'ordre, mais ce n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Ces valeurs, théoriquement, ce sont des valeurs que nous acceptons tous. Nous vivons dans des sociétés pluralistes, le pluralisme est aussi indiqué dans l'article 2, dans des sociétés dans lesquelles nous pouvons avoir des conceptions de l'existence très différentes, et c'est notre liberté, la liberté de conscience, liberté de pensée, liberté d'expression, liberté d'association, etc. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas simplement d'être sur le territoire européen ou d'avoir des intérêts communs, on a essayé de dire que c'était effectivement ces valeurs-là dont je vous ai décrit le profil général. Alors, ces valeurs, elles peuvent être, elles sont souvent confuses, premier élément. C'est très général, ça, quand on parle de liberté, égalité, etc. À quoi ça nous engage? Qu'est-ce que ça veut dire que la liberté d'expression? Quelles sont les limites de la liberté d'expression? Par exemple, en Europe et aux États-Unis, où il y a à peu près le même droit formulé, liberté d'expression, freedom of speech and the press, etc., vous avez parfois des conséquences différentes. Les limitations de la liberté d'expression ne sont pas placées au même niveau. Et donc, j'ai voulu, avec les étudiants, essayer de travailler sur ces différences pour essayer de comprendre de façon plus concrète ce à quoi nous engage une valeur comme celle de la liberté d'expression ou une valeur comme celle de la liberté de penser. Et ce n'est pas toujours évident, et c'est la raison pour laquelle je prends souvent des exemples. Parce que quand vous avez des exemples concrets, vous rencontrez des difficultés, et puis vous vous dites, tiens, la notion est plus complexe qu'on y croyait. Parce qu'au départ, on a tendance à passer cet article 2 en disant, bon, ce sont des droits que tout le monde reconnaît, bon, on est bien d'accord, etc., passons aux choses sérieuses. Or, il est très difficile parfois de savoir quels sont les enjeux de ces valeurs. Je vous ai parlé de la liberté d'expression. Je voudrais aussi vous parler de la notion de dignité qui se trouve dans l'article 2, parce que la notion de dignité, par exemple, pour la grande question, qui est une question quand même centrale de l'euthanasie, c'est-à-dire du droit de mourir dans la dignité pour les partisans de l'euthanasie, d'avoir la possibilité d'être aidé par le corps médical dans une fin de vie pour que cette fin de vie reste digne et ne soit pas dans des souffrances atroces et inutiles parce que tout est perdu, on dit droit de mourir dans la dignité. Mais un certain nombre de citoyens européens, les églises aussi, disent mais qu'il est indigne de vouloir décider ou hâter de la mort alors que ça n'appartient qu'à Dieu, par exemple. Et donc, vous pouvez avoir des conceptions dans lesquelles vous utilisez la dignité des deux côtés. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement aborder les problèmes en étant sensible au fait que souvent les notions sont confuses, ce qui est normal.
si vous prenez des notions scientifiques, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, les astronomes, donc l'Association mondiale des astronomes, ont décidé que Pluton, vous savez, dans les planètes, c'est plus une planète, mais c'est une planète naine. C'est moins bien, c'est une sorte de dégradation. Vous dites que Pluton s'en fiche, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont mis d'accord parce qu'ils ont d'autres critères de définition, de taille, de densité, etc. Et qu'ils ont décidé qu'il fallait placer Pluton parmi les planètes naines. Donc, on dit planète naine pour Pluton. Et quelque part, ils ne sont pas très nombreux. Ça ne suscite pas énormément de passion et ça fixe le vocabulaire. On sait ce dont on parle. Et si on est informé, aujourd'hui, on dit planète naine et pas planète pour Pluton. En revanche, pour tout ce qui concerne, et ce qui concerne les valeurs dont nous parlons, c'est-à-dire tout un ensemble d'enjeux qui suscitent des passions, parce que c'est de notre vie qu'il s'agit, là, et qui sont utilisés à tous les niveaux de discours, qui sont utilisés dans les conversations quotidiennes, dans les décisions de justice, dans le débat politique, dans les articles de journaux, dans les livres, dans les essais, il va, soit que ce serait un miracle, que ces notions aient tous le même sens, c'est-à-dire que tous les individus qui utilisent ces notions les utilisent en y donnant exactement le même contenu. Donc, il y a une nécessité, évidemment, qui est une nécessité de clarification. Mais ça, c'est une première chose. Souvent, il y a des choses qui sont confuses, qui sont mal définies, ou des raisonnements qui sont mal tenus. On tire des conséquences de ces notions alors qu'on ne devrait pas pouvoir les tirer. Les gens sont de bonne foi, simplement, ils ne raisonnent pas bien, ils n'ont pas appris, ils ne savent pas ce que c'est véritablement raisonner, ils se font influencer par les autres, ils sont conformistes, enfin, tout ce que vous voulez, mais ils sont de bonne foi. Hein. Tandis que vous avez des gens qui instrumentalisent délibérément ces valeurs, c'est-à-dire qui leur donnent un contenu qui les arrange, en éliminant les conséquences qui ne les arrangeraient pas. Je vais vous donner quelques exemples. Enfin, si vous prenez l'exemple de la guerre en Ukraine, vous savez que bon, Poutine a fait différents discours. Souvent, ce sont des discours qui vont un peu dans tous les sens. Hein. C'est un peu comme Trump, hein, on dit rambling, hein, c'est-à-dire des discours qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc, il a justifié son intervention en Ukraine de diverses manières. Parfois, il y avait des arguments impériaux. Hein, des arguments, il se référait à Pierre le Grand, il disait que l'Ukraine n'était pas un véritable État, que c'était l'étranger proche, que quelque part c'était la Russie, tout ça. Et donc là, évidemment, il tenait un discours qui était un discours bon, d'attaque frontale contre les valeurs du droit des peuples à l'autodétermination, en disant, voilà, je me décide moi-même en tant que chef d'État russe à dire que tel ou tel État appartient à la Russie et n'a plus droit à l'indépendance. Il va de soi que ça, ces arguments impériaux, bon, ben, ils sont des arguments d'attaque frontale, non seulement contre les valeurs européennes, mais même contre les valeurs reconnues mondialement à l'ONU. Hein, vous savez très bien que la plupart des États membres de l'ONU, ou peut-être pas la moitié, ne sont pas démocratiques, mais on reconnaît un certain nombre de critères pour qu'un État puisse intervenir sur le territoire d'un autre État. Et évidemment, l'argument impérial consistant à dire « je considère qu'historiquement, ce sont des territoires qui m'appartiennent et je ne tiens pas compte de l'indépendance de ces peuples » est un argument qui n'est pas recevable. Mais qu'est-ce qu'il utilise comme argument ? Un autre argument qui est un argument beaucoup plus subtil et plus pervers. Et c'est fréquent, je vous donne l'exemple de Poutine parce que c'est tellement flagrant, mais il y a beaucoup d'exemples de ça. C'est la stratégie que j'ai appelée celle du loup dans la bergerie. Vous avez le loup, la bergerie c'est là où il y a les moutons. Hein. Si le loup veut entrer dans la bergerie, en général, le berger, les chiens vont l'empêcher d'entrer parce qu'ils savent ce qu'il veut faire, il veut les manger, donc le carnage qu'il peut faire dans la bergerie. Mais si le loup se déguise en mouton, et s'il prend une peau de mouton et qu'on croit que c'est un mouton, il entrera facilement, on le laissera entrer. Et vous voyez évidemment le carnage qu'il va pouvoir faire, parce qu'à l'intérieur, il se dévoilera comme tel, c'est-à-dire comme un loup. Et la stratégie du loup dans la bergerie, ce sont des adversaires des valeurs que nous avons définies ici, les valeurs européennes, ou des valeurs mondiales auxquelles nous participons aussi, hein, qui sont les droits des peuples à l'autodétermination, eh bien, ce sont des gens qui utilisent ces notions d'une façon, ce sont des adversaires de ces valeurs, mais ils les instrumentalisent pour faire croire qu'ils sont politiquement corrects, c'est-à-dire qu'ils défendent les mêmes valeurs que nous défendons. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est une stratégie qui existe, si vous voulez, les stratégies d'attaque frontale
quand vous avez un djihadiste qui dit « je suis contre la liberté de conscience, l'État ne doit pas traiter de la même manière le mécréant et le croyant, il faut que l'État soutienne les bons croyants et pourchasse les mécréants », vous voyez tout de suite ce que c'est. Ça, c'est vraiment une attaque frontale, il ne se réfère pas à nos valeurs, c'est dangereux, mais intellectuellement, ça ne peut pas vous affecter beaucoup, enfin, on espère en tout cas la majorité des gens. En revanche, quand vous avez quelqu'un qui utilise un argument qui est un argument de nos valeurs, il faut faire un travail intellectuel. Que dit Poutine ? Poutine dit, j'ai été, un de ses arguments qu'il a répété, je suis entré dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, maintenant tout le monde sait où est le Donbass, il faut des guerres pour qu'on connaisse un peu la géographie, je suis entré dans le Donbass pour protéger les minorités russophones et pour les protéger et pour prévenir un génocide. Il a dit, un génocide. Vous savez qu'un génocide, c'est le crime contre l'humanité le plus grave, c'est la volonté d'éradiquer un groupe humain auquel on ne confère pas le droit à l'existence sur cette terre, c'est l'Arménie, c'est les Juifs et les Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Tutsis, etc. C'est très grave, un génocide. Et effectivement, il y a une convention contre le génocide. Alors, je ne sais pas si un État a le droit d'intervenir sur un autre État. Bon, les juristes de droit international sont en conflit là-dessus. Mais enfin, moralement parlant, on se dirait que si un État ne respecte pas tout à fait les règles et intervient sur un territoire pour prévenir un génocide, on le regardera plutôt d'un œil bienveillant en fonction de nos valeurs. La grosse question, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de commencement de preuve d'un génocide dans cette région du monde. Il y a effectivement eu des combats d'artillerie puisque la région est sécessionniste depuis 2014. Il y a eu sans doute des erreurs du gouvernement ukrainien qui auraient peut-être pu accorder plus de droits des minorités aux minorités russophones pour calmer le jeu, etc. C'est possible. Mais rien de cela ne correspond à un génocide. Simplement, il dit génocide et les gens qui acceptent sa propagande ou qui sont baignés dans sa propagande l'acceptent. Et donc, ça pose effectivement un certain nombre de dangers. Vous l'avez vu avec les élections de 2020 aux États-Unis, où Trump a contesté le résultat en disant qu'il y a eu des fraudes, ce qui est tout à fait légitime au départ, abstraitement parlant, parce qu'il y a des fraudes dans tellement de pays. C'est tellement difficile d'avoir des élections régulières. Il y a tellement d'élections irrégulières avec des vraies fraudes que bon, quand un candidat dit « Écoutez, on dit que j'ai perdu, mais en fait, il y a eu des fraudes », il a tout à fait le droit d'utiliser tous les moyens de droit. Et ce qu'il a fait, il y a à peu près 60 décisions de justice. Il y en a une où on lui donne raison pour un point, d'ailleurs, qui est un point assez latéral. Tout le reste, il a perdu. Parce qu'évidemment, il faisait des beaux discours devant des auditoires politiques en disant que les machines, vous savez, les machines à voter Dominion étaient manipulées par le Venezuela et par Cuba et qu'on avait amené des bulletins de vote la nuit, etc. Bon, ça peut arriver, ça arrive dans certains pays. Simplement, ça marche dans les beaux discours d'assemblée, mais à partir du moment où il fallait aller devant un juge et amener des faits bien établis, tout ça s'écroulait et donc il a perdu tous ses procès. De la même manière que s'il y avait un juge et que Poutine devait invoquer la prévention du génocide pour son intervention en Ukraine dans le Donbass, tout s'écroulerait évidemment. Ça. À partir du moment où l'établissement des faits ne compte plus et que vous avez des gens qui sont tellement fanatisés idéologiquement, qui sont prêts à suivre quelqu'un, même si c'est en dépit du bon sens, c'est dangereux, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société de la post-vérité. Société de la post-vérité, ça veut dire la vérité ne compte plus. Aujourd'hui encore, ceux qui suivent Trump sont persuadés que l'élection a été volée, l'élection de 2020 a été volée, qu'elle a été truquée, que les procès qui lui sont intentés, c'est uniquement une vengeance politique du pouvoir, qu'il n'a rien fait, qu'il est parfaitement innocent, qu'il veut défendre les Américains de souche, etc., etc. Et ce sont des choses qui sont très dangereuses parce que, justement, quand Trump fait cette action en justice ou ses actions en justice, c'est au nom de la valeur du ce qu'on appelle le « peaceful transfer of power » aux États-Unis, donc du transfert pacifique du pouvoir, c'est du fair play politique. Vous perdez. Vous dites « je ne suis pas content que les démocrates aient gagné, on va essayer de gagner la prochaine fois, je déteste leur politique, mais on aurait dû avoir plus de voix. Bon, » hein. Si vous ne le faites pas, vous portez atteinte directement à ce qui est quand même un élément fondamental de nos démocraties. Alors,
Ce qui est caractéristique dans cette confusion qu'on introduit, parce que vous voyez que ce que dit Poutine, il invoque la notion de lutte contre le génocide. Donc on est pour les droits de l'homme, le génocide, c'est peut-être la pire violation des droits de l'homme. Donc évidemment, lutter contre le génocide, c'est quelque chose qui correspond à nos valeurs. De la même manière, vous savez qu'il y a eu ces horribles crimes commis par le Hamas en Israël samedi passé, le samedi 7 octobre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens chez nous qui considèrent le Hamas comme un mouvement de résistance. Or, la notion de résistance est une notion importante, parce que si vous défendez les valeurs européennes, vous devez aussi pouvoir agir dans le cas où elles sont menacées, et résister à un oppresseur, résister à quelqu'un qui les nie. Et la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces circonstances-là. Alors évidemment, cette notion de résistance est pour quelqu'un qui voudrait rétablir les valeurs démocratiques. On pourrait dire que le Hamas, sûrement pas les valeurs démocratiques, mais bon, peut-être le droit du peuple palestinien à l'existence, que ça, c'est au moins le but. Mais il y a quelque chose de très important, et j'en ai beaucoup parlé à mes étudiants, qui est les moyens qu'on utilise. Et souvent, les moyens qu'on utilise font qu'on ne peut pas se qualifier de résistant au sens authentique du terme. C'est le sens qui avait été défini par Albert Camus, l'écrivain Albert Camus, qui avait publié une pièce après la Deuxième Guerre mondiale, s'appelait Les Justes. Cette pièce, vous pouvez la trouver, c'est une pièce très courte, donc ça se lit rapidement, et qui, en fait, ça se passe à la révolution de 1905 en Russie. C'est un groupe de membres révolutionnaires qui veulent tuer l'oncle du tsar. Donc ils veulent faire du terrorisme. Ils veulent tuer les dirigeants, leur faire très peur, faire en sorte que la politique change, parce que tous les canaux d'opposition sont bloqués dans le tsarisme finissant de cette époque-là. Et ils ont décidé, ils ne veulent pas attaquer le tsar lui-même parce qu'il reste dans son palais, tandis que l'oncle du tsar, il aime le théâtre, donc il prend un peu de liberté avec la sécurité. Et donc, il décide de lancer une bombe sur le carrosse quand il passe dans la rue. Et en fait, pour raconter l'histoire brièvement, celui qui est obligé de lancer la bombe ne la lance pas. Au dernier moment, il ne la lance pas. Et alors, ses camarades qui observaient les choses d'une fenêtre au passage du carrosse lui demandent « Mais pourquoi tu n'as pas jeté la bombe ?» Et il dit « Je ne l'ai pas jetée parce qu'avec l'oncle dit ça, il y avait deux enfants. Et je n'ai pas pu jeter la bombe. » Alors, ça fait un grand débat politique entre eux. Certains disent « Mais enfin, pour deux enfants, on avait une occasion d'abattre le tsarisme, de libérer tout le peuple russe. » D'autres qui disent « Non, 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 jusque-là, on ne va pas, ça, on ne peut pas faire. » Et Camus dit « Effectivement, pour être un véritable résistant, ici, des résistants à l'oppression tsariste, hein, bon, pour être un véritable résistant, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre de limites pour garder la qualité de résistant et on ne s'attaque jamais délibérément à des victimes civiles, à des enfants qui, par définition, ne font pas de politique. Par définition, ce sont les victimes civiles, des victimes civiles, si vous voulez. L'idée, donc, est qu'il est prêt, ce n'est pas un non-violent total, il dit, effectivement, dans la résistance, parfois, quand tous les canaux de résistance sont un peu bloqués, on peut exercer du terrorisme contre les dirigeants. Enfin, c'est moins grave que de le faire sur les populations civiles. Bien sûr, quand vous faites la guerre et que vous faites même des actes terroristes contre les dirigeants, vous avez ce qu'on appelle des dommages collatéraux, c'est-à-dire vous avez, surtout quand les dirigeants comme ceux du Hamas sont dans des immeubles, vous avez un étage le commandement du Hamas, un autre étage des locataires, un troisième un hôpital, un quatrième une école, le cinquième des lanceurs de roquettes et des choses comme ça. Donc évidemment, vous pouvez avoir des dommages collatéraux, c'est effectivement très difficile et ça ne justifie pas toutes les actions, loin de là. Mais ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est ne s'en prendre qu'aux victimes civiles. C'est aller aux soldats aussi, ou aux policiers quand ils ont occupé un commissariat de police, bien entendu, ça c'est la guerre comme à la guerre, mais ils s'en sont pris uniquement aux populations civiles, ils se sont filmés, ils se sont réjouis, ça c'est ce qui me pose le plus problème. On était réjouis dans les rues bien avant la riposte israélienne, alors que la chose qui avait circulé, on ne pouvait pas ne pas savoir que c'était particulièrement horrible. Et donc à partir du moment où vous utilisez du terrorisme contre les victimes civiles, en visant les victimes civiles, pas comme des dommages collatéraux, quelque part, vous perdez votre droit de vous représenter en résistant parce que vous avez totalement sali votre combat. C'est sa thèse de Camus, ça se discute, on peut avoir d'autres opinions, mais je pense que c'était quelque chose d'important.
Alors, je voulais aussi insister sur la notion de valeurs universelles, parce que si vous voyez, c'est dans le préambule, hein, il y a eu d'abord, on dit, s'inspirant des héritages culturels, religieux, humanistes, ça fait l'objet de tas de discussions dans la préparation d'abord du traité constitutionnel et puis du traité de Lisbonne, parce que les églises et les catholiques voulaient qu'on introduise une mention du Dieu chrétien. Ça a posé des tas de problèmes, effectivement. On a dit à ce moment-là, il faut tout introduire, et si vous voulez introduire le Dieu chrétien, ben, il faut aussi introduire l'inquisition, l'intolérance et tout le reste, etc. Et donc, autant faire quelque chose de plus général. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que ces valeurs s'inspirent des héritages européens, donc elles ont émergé en Europe. L'Union européenne est au fond au bout du trajet, qui est un trajet d'histoire européenne, mais il est dit très clairement, ce sont des valeurs universelles. Donc, il n'est pas dit, c'est des valeurs européennes. Il dit, ce sont des valeurs universelles. Et ça pose évidemment énormément de problèmes, parce que qu'est-ce que ça veut dire que ce sont des valeurs universelles, hein? Et ce ne sont pas des valeurs que l'Europe va imposer avec ses canons et ses armes, etc. Quand elle l'a fait, d'ailleurs, elle l'a fait pour des raisons qui étaient des raisons coloniales et qui étaient loin de ses propres valeurs. Mais même aujourd'hui, l'idée que l'Europe veuille imposer ses propres valeurs apparaît comme une aberration. Aux États-Unis, ça s'est passé à un moment. Les néoconservateurs ont eu cette idée-là, et vous voyez l'échec de l'Irak, par exemple. Donc, arriver en Irak, abattre un dictateur sanguinaire qui était Saddam Hussein en 2003, et puis vouloir construire la démocratie, c'est pas du tout ça qu'ils ont construit. C'est pas par les armes que l'on arrive à établir la démocratie libérale. Alors, que veut dire universel? Ben, ça veut dire sans doute, moi c'est l'interprétation que j'ai et que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'elles sont offertes à tout le monde. Les Européens ne se les réservent pas. Et aussi, quand il s'agit d'avoir des contrats avec d'autres pays, il y a souvent des clauses des droits de l'homme plus ou moins efficaces. Mais cette idée, au fond, que ce sont des droits qui nous paraissent tout à fait fondamentaux, parce que c'est au cœur des valeurs européennes, c'est ces droits-là. Et ces droits qui nous paraissent tout à fait fondamentaux, ben, nous les offrons à des interlocuteurs qui peuvent les accepter. Et alors, c'est très, très important de savoir ça, parce que qui sont nos interlocuteurs? Ben, évidemment, pour qu'il y ait accès aux interlocuteurs, bon, il faudrait savoir ce que le peuple veut. Et pour savoir ce que le peuple veut, il ne faut pas qu'il y ait un pouvoir qui fasse écran, qui prétende représenter le peuple, alors qu'il n'y a pas de véritables élections, et donc on ne sait pas ce que le peuple veut. On sait ce que le dirigeant veut, mais pas ce que le peuple veut. Et c'est intéressant ceci, parce que, justement, on a beaucoup parlé de la question de l'état de droit, qui est une des valeurs européennes, parce que cet état de droit, ça suppose, c'est l'idée que le droit s'impose bien sûr aux gouvernés, ça c'est partout, hein, mais il s'impose aussi aux gouvernants. Et donc les gouvernants sont aussi soumis à un certain nombre de règles, et pour vérifier qu'ils soient soumis à ce nombre de règles, ben, il faut qu'il y ait un certain nombre de contrôles, de contrepoids, de poids et équilibre, de checks and balances, etc. Donc il faut qu'il y ait des juges indépendants, c'est pas facile, hein, qu'il y ait des juges indépendants, une presse libre, que l'on puisse former librement des partis, que l'on n'élimine pas pour les élections en amont des adversaires dangereux en inventant une accusation de corruption ou de criminalité, alors que de toute façon, il n'y aura pas de procès équitable parce que les juges sont aux ordres et donc quelque part, ils seront éliminés. Donc, il faut effectivement cette séparation des pouvoirs, le fait que les gouvernants soient aussi soumis au droit, parce que si vous n'avez pas ça, vous n'avez même pas d'élection libre, parce que c'est souvent... j'ai lu un article récemment dans Le Monde qui disait ça. Souvent, il n'y a pas nécessairement des fraudes au moment de l'élection. Vous pouvez très bien ne pas frauder au moment de l'élection parce que vous avez fait le ménage en amont, auparavant. Vous avez éliminé les adversaires qui étaient les adversaires dangereux. Et s'il n'y a pas d'état de droit, ils ne pourront pas se défendre. Et on va dire, on ne va pas permettre à un criminel de se présenter aux élections, etc. Ils ne pourront pas se défendre. Et donc, ce qui est important, c'est que sans état de droit, vous n'avez pas d'élections qui soient des élections honnêtes et vous ne pouvez pas savoir ce que pense le peuple. Et ça,
c'est quelque chose qui m'apparaît comme une exigence universelle quand on interroge les gens à la base, quand les gens peuvent manifester, quand ils osent manifester. Pas toujours, la rue peut être fanatique, mais vous avez dans tellement de pays, en Birmanie, en Chine même, en Biélorussie, ailleurs, dans tous ces pays-là, vous avez des manifestations. Les interlocuteurs, ce sont ceux qui manifestent, et ils manifestent pourquoi ? Ils manifestent pour ces valeurs-là. On était très étonnés, d'ailleurs, en 2011, du temps des printemps arabes, d'entendre des gens qui réclamaient tout simplement, ils voulaient que la police ne les arrête pas arbitrairement, ils voulaient des procès équitables, ils voulaient pouvoir former des partis politiques, ils voulaient la liberté d'expression, ils voulaient avoir un boulot sans être les copains de ceux qui géraient un État qui était un État despotique ou oligarchique. Tout ça, c'était nos valeurs, d'une certaine façon. Et donc, quelque part, qu'elles aient un caractère universel, il ne faut pas être trop pessimiste. Aujourd'hui, on dit effectivement le Sud global, la plupart, ce n'est pas des démocraties, pas tous, mais la plupart, ce n'est pas des démocraties, ou bien c'est des démocraties qui ont des problèmes comme l'Inde aujourd'hui, par exemple. Mais si on prend les interlocuteurs du monde, quelque part, ils sont quand même sensibles à cette logique que si vous n'avez pas d'État de droit, de séparation des pouvoirs, d'indépendance des juges et de la presse, vous ne pouvez pas avoir d'élections qui soient des élections honnêtes et vous ne pouvez pas savoir ce que veut ou ce que dit le peuple. Donc ça, c'est une très, très grande difficulté. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je vais terminer, hein, Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, qui est un philosophe politique américain et qui avait prévu en 1990, donc au moment où, de la chute de l'Union soviétique, on croyait que le monde, il y avait à avoir un nouvel ordre mondial, il disait c'est la fin de l'histoire. Pas la fin de l'histoire au sens où l'histoire évidemment va continuer à exister, mais la fin de l'histoire en sens de conflit tragique entre grandes idéologies. Il disait c'est la démocratie libérale qui a gagné. Elle a gagné, il y aura encore des soubresauts, c'est comme ça qu'il interprétait le terrorisme, des soubresauts, mais enfin, globalement, elle a gagné. Elle n'a pas d'adversaire crédible du point de vue de l'organisation politique. Elle n'a pas d'adversaire politique crédible. Alors que pendant des années, vous avez eu les mouvements religieux, hein, l'Église voulant dominer l'État, vous avez eu le fascisme, vous avez eu le communisme, qui étaient des idéologies très mobilisatrices. Donc il y avait véritablement des adversaires crédibles. Il n'y en a plus des adversaires crédibles. Il n'y en a plus. Et quelque part, l'État de droit et la démocratie libérale, elles ont gagné. Puis on a dit Fukuyama quand on a vu tout ce qui s'est passé au XXIe siècle, début du XXIe siècle, non pas simplement le 11 septembre, le terrorisme, l'Ukraine, le retour de la géopolitique, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui, on a dit ben, Fukuyama c'était vraiment un naïf. Et au fond, je n'en suis pas sûr. Je pense que sans doute il a péché par optimisme, par naïveté, mais on se trouve toujours confronté aujourd'hui au fait qu'il n'y a pas de véritable alternative à un État de droit. Et un État de droit, ce n'est pas simplement de dire les juges doivent être indépendants, ça suppose toute une organisation, une liberté de la presse, des mentalités, et sans ça, ben, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des représentants du peuple qui peuvent dire, parler au nom du peuple. Et dernière chose, vous savez, on parle d'une guerre de civilisation en disant, voilà, vous avez les pays occidentaux, vous avez la sphère musulmane, vous avez la sphère chinoise, confucianiste, etc. Ce sont les thèses de Samuel Huntington, qui a contesté d'ailleurs Fukuyama en disant, ce qu'on va avoir, ce n'est pas une universalisation de l'État de droit, ce qu'on va avoir, c'est au contraire une guerre des civilisations. Et je n'en suis pas sûr parce que autant ces civilisations sont différentes, autant l'islam c'est pas la même chose que l'hindouisme, si on prend ce qui se passe en Inde aujourd'hui, ou que le bouddhisme, hein, même le bouddhisme, vous savez, le traitement des Rohingyas en Birmanie, c'est pas rien. Et donc toutes ces civilisations, si vous voyez ce qui se passe dans les commissariats de police. C'est un peu l'universalité de la matraque, c'est-à-dire que tous ces régimes, quelle que soit leur référence, sont des régimes dans lesquels, une fois que vous êtes pris par les dirigeants, votre sort est exactement le même, la torture, le mépris, la violation des droits de base, et que quelque part, c'est quand même ça qui doit pouvoir nous mobiliser.
Et donc, je pense, et j'ai craint moi souvent, une sorte de timidité par rapport à ces valeurs-là. Parce que c'est au nom de ces valeurs-là qu'on peut, après, on peut avoir des conceptions différentes sur l'écologie, la gauche, la droite, les questions sociales, etc. Mais même, on en parlait tout à l'heure avec Didier, quand certains, c'est une vieille antienne marxiste, disaient, il faut d'abord se nourrir, et puis après, les droits, liberté d'expression, état de droit et des choses comme ça. C'est pas vrai, parce que si vous voulez véritablement répartir les ressources de façon à ce qu'elles aillent où elles doivent aller, c'est-à-dire chez les pauvres, les plus vulnérables, etc., pour redresser des injustices, vous avez besoin de contrôle. Sinon, l'argent, c'est universel, l'argent, il va partir dans les poches des dirigeants. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des contrôles, une presse indépendante, des juges indépendants, etc., d'instruire les dossiers, etc. Et donc, quelque part, ces valeurs, il faut pas, à mon avis, être trop timide vis-à-vis d'elles. Elles permettent de critiquer aussi l'Europe, bien sûr, et de tout ce que l'Europe a fait. Le nazisme est un phénomène européen, le communisme aussi, d'ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de s'y référer, mais il faut faire attention, et ce que j'ai essayé de vous dire n'est qu'évidemment très rapidement des choses que je développe d'habitude, mais ce n'est pas un cours, évidemment, que je développe en chaque fois, 4 fois 6 heures, donc ça fait beaucoup, mais véritablement, il faut tenir compte du fait que non seulement c'est important, et deuxièmement, ce n'est pas facile, c'est souvent instrumentalisé, c'est souvent confus, et ça suppose un exercice de la pensée critique qui aujourd'hui peut-être n'est pas toujours à la hauteur de ce qui devrait être. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a une douzaine de minutes ou un peu plus pour des questions en français ou en anglais. Donc la parole est à la salle. Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord dire, puisque vous venez de Pologne, que je suis quand même heureux, sans doute beaucoup d'entre vous aussi, du résultat des élections. Et ça comporte aussi la question de la laïcité. Alors, la laïcité ne se trouve pas énoncée, c'est pas une valeur européenne comme telle. Le terme, alors s'il y a bien un terme, moi j'ai écrit un petit que sais-je sur la laïcité aux presses universitaires de France, s'il y a bien un concept qui est confus, c'est-à-dire qui suscite des tas d'interprétations. Alors il peut y avoir des interprétations différentes mais un peu raisonnées, et puis il peut y avoir des interprétations délirantes. Il y a une notion de laïcité au sens large du terme et au sens strict, pour aller vite, hein. La laïcité au sens large, elle pourrait être introduite dans le cadre des valeurs européennes parce qu'elle se trouve, si vous voulez, la laïcité au sens large, c'est que chacun a la liberté de conscience. Donc que l'État ne peut pas imposer une religion ou favoriser même quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas quelque chose et de telle ou telle manière. Et deuxièmement, elle implique donc que l'État soit neutre par rapport aux différentes conceptions de l'existence. Bon. Alors ça, vous trouvez par exemple dans la Convention européenne des droits de l'homme ou la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ben, vous trouvez effectivement la liberté de conscience, c'est plus large que la liberté de religion, puisque c'est aussi la liberté de ne pas croire, et vous trouvez aussi la non-discrimination. On ne peut pas, l'État ne peut pas discriminer les individus en fonction de leurs croyances, donc il est obligé de rester neutre. De la même manière, vous avez dans la Constitution des États-Unis, le premier amendement, vous avez la liberté religieuse, et vous avez aussi le non-establishment.
ne peut pas y avoir de religion établie. Alors, ça a donné l'objet d'interprétations énormes. Pas de religion officielle, bien sûr, mais pas de religion qui favorise tel ou tel courant par rapport à un autre. Donc ça, c'est une idée qui est partagée par les démocraties libérales. Maintenant, la laïcité, au sens plus strict du terme, c'est-à-dire c'est un État dans lequel l'État se retire de toutes les affaires religieuses. Parce que si vous ne pouvez pas favoriser un groupe par rapport à un autre, vous pouvez aussi les subventionner si vous les subventionnez équitablement, si vous y arrivez. Il y a plein de pays, la plupart des pays européens subventionnent l'enseignement de la religion à l'école publique. Mais c'est valable pour toutes les religions, et si vous êtes d'une autre religion, vous pouvez opt-out, il faut respecter évidemment l'égalité, c'est sans doute plus difficile. En Belgique, on subventionne aussi ce qu'on appelle les ministres du culte, les curés, etc. Les imams, les rabbins, tout ça pose un certain nombre de questions. Alors certains pays ont une notion de la laïcité plus stricte, qui est une laïcité séparatiste, c'est-à-dire que l'État ne peut pas s'en occuper du tout. Donc l'État ne subventionne pas, l'État n'organise pas des cours de religion à l'école publique, donc dans les écoles des pouvoirs publics ou de l'État, quand ce sont des écoles de l'État. Donc c'est plus strict, cette chose-là. Et les seuls pays vraiment séparatistes, et pas parfaitement, c'est les États-Unis et la France. Les États-Unis sont très séparatistes. C'est très, très difficile de subventionner les cultes aux États-Unis. Mais en même temps, une fois que vous avez tout ça, moi je me souviens que j'étais au Maroc faire participer à une conférence, et j'ai parlé de laïcité en la définissant comme je l'ai définie au sens large, donc très ouvert. Il y a 4 officiels qui ont quitté la salle. Et après, je ne savais pas, moi. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit un gros mot. Le gros mot, c'était laïcité. Parce qu'avant que je décide ce que je dise, le contenu que je donnais à la laïcité, ils étaient sortis de la salle. Donc, laïcité au sens large, ça, c'est vraiment, ça fait partie de nos valeurs. On pourrait le formuler comme ça, en termes laïcité au sens large. Si vous êtes au sens strict, et si vous commencez à poser la question du port des signes religieux à l'école publique, dans l'administration, de l'impact que peut avoir le religieux dans la sphère publique, des repas particuliers, le refus de certains cours, etc., alors vous apercevez que la notion de laïcité va être très secouée, parce que vous allez dénoncer la laïcité comme dogmatique quand on vous dit, écoutez, on voudrait bien pouvoir enseigner Darwin. On a vu ça aux États-Unis et parfois en Europe. Vous avez des courants religieux qui disent on ne peut pas enseigner l'évolution, la théorie de l'évolution, parce que c'est contraire à ce qu'on lit dans la Genèse. Et on leur dit à l'école, écoutez, ça c'est de la religion. Et aux États-Unis aussi, il y a eu un large combat contre tout ça, contre les créationnistes qui voulaient que les enfants ne soient pas contaminés par les cours de sciences, de biologie et des choses comme ça. Donc là, vous êtes dans toutes les controverses, mais la notion de laïcité au sens large du terme, c'est un patrimoine qui nous est commun. On peut l'appeler autrement, si on ne veut pas. Vous posez peut-être les deux à la suite, comme ça Guy répondra. Bonjour monsieur le professeur, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Clovis Debrier, je suis étudiant au département Paul. Je voulais revenir sur la notion de résistance que vous avez évoquée, notamment en écho aux événements en Israël récents. Comment vous répondrez à certaines personnes qui estiment que la distinction entre gouvernant et gouverné est fictive et que, d'une certaine manière, la participation en tant que citoyen à un régime qui serait par essence oppresseur donnerait une certaine légitimation à des actes de résistance envers ces citoyens. Je ne sais pas si c'est très clair ma question, mais je... Mais c'est-à-dire qu'on peut considérer que les citoyens en général portent une certaine responsabilité par les gouvernements qu'ils mettent au pouvoir, puisque dans les pays où il y a des élections qui sont des élections véritablement libres, à partir du moment où ils vivent sous des régimes qui sont des régimes de contraintes, d'intimidation, de menaces presque totalitaires, on ne peut pas dire que la population porte une certaine responsabilité. Cela dit, c'est pas, si vous prenez la situation en Israël,
Ben, c'est vrai que Netanyahou est Premier ministre et que la manière dont il gouverne avec des racistes suprémacistes juifs est véritablement quelque chose qui n'arrange pas les choses. Et on peut dire effectivement qu'il y a... Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des manifestations en Israël pendant des mois et des mois. Donc, il y a toute une partie de la population, peut-être qu'il ferait mieux de voter plus nombreux. Il y a toute une partie en Israël qui est totalement opposée à ce type de gouvernement. Et il y a encore un mouvement qui est un mouvement pour la paix, même s'il est sur le déclin. Et si après ce qui s'est passé, vous allez avoir une droitisation de la société israélienne, ce qui est un phénomène quasi inévitable. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, je pense, il y a eu, vous avez vu toutes les discussions qui ont eu lieu. Il faut prendre le crime comme il est. C'est-à-dire, quand vous prenez les crimes qui ont été commis le 7 octobre, il ne faut pas à ce moment-là parler du contexte, etc. Il faut voir les crimes, il faut voir comment ça a été fait, il faut voir qui sont les commanditaires, c'est le Hamas. Il faut voir si le Hamas avait délibérément dit d'agir avec une telle sauvagerie ou si ça a été un débordement. Il faut voir quelles sont les responsabilités et condamner parce que c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Une chose, et pas de mais, parce que rien ne justifie ça. Après... Évidemment que, comme il faut bien politiquement et même du point de vue humaniste et éthique, se dire il vaudrait mieux trouver une solution qui est inextricable, à ce moment-là, on pose le problème des responsabilités politiques. Et là, ben ça dépend de votre analyse de la situation. Il y a dans toute l'histoire, moi j'ai étudié l'histoire du sionisme, de l'établissement des Juifs en Palestine depuis la fin du 19e siècle, il y a des responsabilités de tous les côtés dans l'échec d'une coexistence. Et les responsabilités, si on dit qu'effectivement la colonisation israélienne est pour beaucoup dans le désespoir des Palestiniens, moi personnellement, je n'ai absolument rien à faire avec le gouvernement israélien actuel, et donc je serais prêt, tout en condamnant radicalement les crimes du Hamas, à dire que après il faudra faire les comptes et il faudra effectivement, du point de vue de la situation globale, tenir compte des différentes responsabilités. Et il faudra aussi, c'est une grande difficulté, qu'Israël, dans sa réaction, essaye de faire le moins de victimes civiles possible. Vous avez vu ce qui s'est passé hier quand un hôpital a été touché dans la bande de Gaza. C'est 400 ou 500 personnes, hein. C'est terrible. Alors évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Les Israéliens disent que c'est une roquette du djihad islamique qui a suivi une mauvaise trajectoire. C'était comme ça ce matin, hein. Peut-être que ça a changé ce midi, je n'en sais rien, ça va tellement vite. Les djihad islamiques disent non, c'est un bombardement israélien sur l'hôpital. Ce que est intéressant, j'ai lu ça ce matin dans le train, c'est que maintenant qu'il y a une controverse, on ne sait pas qui l'a fait. Ce n'est pas une question de valeur. Tout le monde trouve ça assez terrible ce qui s'est passé. C'est de savoir de fait qui l'a fait. Comme dans le cas de Trump et de Biden, qui a gagné. On aimerait bien gagner, mais c'est de savoir qui a gagné, effectivement, qui l'a fait. On ne le sait pas encore, on ne sait pas véritablement encore, mais quand vous voyez le Qatar, la Jordanie, etc., ils ont déjà condamné Israël. Et donc, il faut faire très attention, parce qu'un problème pour la pensée critique qui est tout à fait central, si on veut exercer nos valeurs de citoyens, de la pensée critique, c'est d'éviter ce qu'on appelle la « wishful thinking ». La « wishful thinking », c'est de voir une réalité en fonction de nos souhaits. C'est-à-dire de n'accepter les faits qui nous arrangent et de refuser les faits qui nous dérangent. Les faits, c'est les faits. Parfois, ils nous donnent mauvaise réputation. Parfois, ils sont bons pour nous. Mais les faits, c'est les faits. Et si vous construisez chacun un monde dans lequel vous êtes toujours victime, donc dans votre droit, et les autres font exactement la même chose, vous allez avoir une tribalisation du monde qui va être très grave. Et donc, c'est un peu cette idée que j'ai à propos de ça. De toute façon, les Palestiniens en tant que tels ne peuvent absolument pas être considérés comme responsables. Toute idée de vengeance, moi, je considère, est inacceptable. Le problème, c'est que vous allez avoir beaucoup de victimes collatérales dans la mesure où, depuis très longtemps, le Hamas, je l'ai dit pour ces immeubles-là, a placé les éléments militaires stratégiques. Les objectifs militaires sont légitimes dans le droit de la guerre,
Mais ils sont au milieu des populations civiles ou dans 5-6 étages en dessous de terre dans ce fameux métro, comme on l'appelle à Gaza. Donc c'est très difficile de ne pas faire de victimes collatérales en grand nombre, c'est très difficile. En même temps, il faut essayer peut-être de trouver une autre solution pour éliminer le Hamas, mais il faut être très vigilant, c'est très difficile. Parce qu'évidemment, les Israéliens ont été tellement touchés par ce qui s'est passé, mais ça ne justifie pas tout. C'est vraiment difficile. Et moi, qui ne suis pas idéologue, parce que philosophes ne peuvent pas être idéologues, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas parti à un certain moment. Je vois, mais je sais d'avance, si vous voulez, à l'université de Bruxelles, dans les bureaux, je n'ai pas été ces derniers temps, mais à propos de tous ces conflits, parce que ce conflit israélo-palestinien, vous avez des situations parallèles de toujours, je savais très bien en ouvrant la porte d'un bureau ce qu'on allait me dire et en ouvrant la porte d'un autre bureau ce qu'on allait me dire, parce qu'ils avaient déjà leur conception du bien et du mal, et donc de celui qui était capable de faire quelque chose et de celui qui n'en était pas capable pour eux. Mais pour l'histoire de l'hôpital, par exemple, il faut dire, aujourd'hui, à midi, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et puis, il faudra voir, évidemment, si jamais c'est, par exemple, les Israéliens, est-ce que c'est un bombardement volontaire? Si jamais c'est le djihad islamique, est-ce qu'ils l'ont fait exprès, justement, pour donner une mauvaise réputation? Ou pas, ou est-ce que c'est un accident? Tout ça, ce sont des éléments de fait et il faut être capable de les analyser si on veut être fidèle à l'idée de la libre discussion. Et la réponse sera courte aussi, hein, parce que je suis aussi coupable. Hein. Je vais essayer de faire bref. Vous avez parlé de la remise en question des valeurs européennes, notamment avec la stratégie du loup dans la bergerie, qui est un phénomène un peu exogène, où des forces, on va dire, étrangères ou à l'Europe vont remettre en question les valeurs européennes en les mobilisant. Mais est-ce qu'on n'assiste pas aussi aujourd'hui à un grignotage, un phénomène endogène, un grignotage de ces valeurs-là au nom d'autres valeurs, notamment la sécurité au sein même de l'Europe? Et donc, c'est un phénomène intérieur et pas seulement extérieur. Et pour prendre un exemple, cette semaine, on a notamment un ministre de l'Intérieur français qui a annoncé qu'il souhaitait passer outre les décisions de la CEDH pour pouvoir expulser des demandeurs d'asile tchétchènes. Alors, ce qu'il faut savoir, pour répondre de façon rapide, hein, c'est vraiment une question intéressante, mais pour répondre de façon rapide, vous avez toujours, dans les circonstances normales, un arbitrage entre sécurité et liberté. Hein, le problème, c'est savoir où vous mettez le curseur. Plus l'exécutif est confronté à un danger, plus il va faire passer le curseur vers la sécurité. C'est-à-dire, on va essayer de pouvoir arrêter les gens plus vite, de les garder plus longtemps en garde à vue, d'expulser des gens quand ils sont seulement considérés comme étant dangereux, parce que on se dit, on veut absolument éviter un attentat terroriste. Ça s'est passé quand il y a eu les attentats de Londres en 2005. En 2005, il y a eu des attentats à Londres dans le métro, dans des bus. La question pour les... C'est toujours la question des règles d'engagement. Les policiers de Scotland Yard, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils devaient faire. Et comme on disait qu'il y a quelqu'un qui risque d'avoir une ceinture d'explosifs, c'était ça le danger, de se faire exploser dans le métro, vous devez, si vous voyez cette personne, vous devez tirer à la tête. En général, on tire dans la jambe pour essayer d'arrêter celui qui risque de commettre un crime et de ne pas le tuer. Mais en même temps, là, si vous tirez dans la jambe, il est à terre, il a encore le temps de... Et si vous tirez sur la ceinture d'explosifs, c'est évidemment encore pire. Et donc, il y a une immense erreur. Bon, il y a un Brésilien qui se baladait à Londres en été avec un manteau un petit peu plus, qui n'était pas un manteau de saison, donc qui pouvait cacher des choses, et qui s'est un moment enfoui quand la police a voulu le contrôler, sans doute parce qu'il avait des problèmes, pas du tout c'était un terrorisme, mais qu'il avait des problèmes, ses papiers n'étaient pas en règle, et les policiers ont cru que c'était un danger, ils l'ont tué, et on s'est aperçu qu'il n'avait strictement rien fait. Donc, dans des circonstances normales, on essaye de maintenir des règles d'engagement qui permettent d'éviter au maximum les erreurs. Il n'y a rien de pire que de devoir se décider dans l'urgence, dans l'immédiat, parce qu'on peut se tromper, mais parfois on est dans l'urgence. Et donc, vous avez effectivement à être vigilant quand vous devez comprendre que... Si vous voulez, l'état de droit, c'est pour affaiblir le pouvoir, mais pour de bonnes raisons.
pour de bonnes raisons. On sépare les pouvoirs, on empêche l'exécutif de faire n'importe quoi, on donne de l'indépendance aux juges, on empêche l'exécutif ou le législatif de faire pression sur les juges, etc. Tout ça, on affaiblit les pouvoirs pour éviter qu'ils deviennent tyranniques, tout simplement, qu'ils deviennent trop forts. Quand il y a un danger, qui est un danger qui est plus fort que d'habitude, l'État nécessairement demande à être renforcé, et vous allez un petit peu dans l'autre sens, et il faut chaque fois effectivement envisager les choses en sachant que c'est pas facile pour l'État, hein, parce que vous avez une sorte, vous savez, en Belgique souvent les gens qui disent la police, les flics, etc., qui les dénoncent, et puis quand il y a un attentat qui n'est pas déjoué, ils disent que fait la police. Et quelque part, il faut cesser d'avoir cette schizophrénie, il faut savoir où bien placer le curseur, et il faut savoir qu'on a à exercer notre pensée critique, parce que tous les événements sont différents. On peut tirer des leçons, mais c'est jamais exactement la même chose. C'est pas des règles qu'on peut appliquer mécaniquement. Et donc, il faut voir dans chaque cas si la demande de l'exécutif de renforcement des pouvoirs de l'exécutif, des services de renseignement, de la police, de l'armée, etc., si elle peut être, dans l'état des choses, avec beaucoup d'éléments d'obscurité, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne sait pas et on ne connaît pas le futur, si elle peut être acceptée, légitime, temporaire, contrôlée, etc. Voilà.